Bonjour à toutes et tous. Après l'assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire géographie le 26 octobre 2020, cette vidéo vous propose de réfléchir quelques instants à la liberté d'expression. Comme toujours, partons d'un exemple concret. Voici quatre individus. La personne A, la personne B, la personne C et la personne D. La personne A est athée. Elle a partagé le dessin de presse suivant sur les réseaux sociaux. Selon elle, ce dessin dénonce le fait que les religions tentent à nouveau de censurer l'enseignement transmis par l'école publique. La personne B est très en colère contre la personne A. En effet, elle considère ce dessin comme une insulte à tout individu qui a une religion, quelle qu'elle soit. La personne B est catholique. Elle a partagé le dessin de presse suivant sur les réseaux sociaux. Selon elle, ce dessin montre que l'islam et le judaïsme sont des religions dangereuses. La personne C est très en colère contre la personne B. En effet, elle considère ce dessin comme une insulte envers les personnes musulmanes. La personne C est musulmane. Elle a partagé le dessin de presse suivant sur les réseaux sociaux. Selon elle, ce dessin montre que le bouddhisme est une religion peu importante qui vient après le football, qui compte moins de représentants entre guillemets que le racisme ou la délinquance financière. La personne D est très en colère contre la personne C. En effet, elle considère ce dessin comme une insulte envers les personnes bouddhistes. Enfin, la personne D est bouddhiste. Elle a partagé le dessin de presse suivant sur les réseaux sociaux. Selon elle, ce dessin montre que le catholicisme est dangereux, puisque des croyants ont manifesté devant un théâtre où se jouait la pièce Golgotha Picnic. Cette pièce est une parodie du dernier repas de Jésus avec les apôtres, au cours duquel le prophète critique et commente le monde contemporain. La personne B est donc très en colère contre la personne D, en effet, elle considère que ce dessin est une insulte envers les personnes catholiques. Voici le problème. Ces quatre individus vivent au sein de la même société. Un individu se définit par ses opinions, ses idées, ses émotions, ses actions, réactions, etc. Qu'est-ce qui empêchera l'individu B, par exemple, de satisfaire son désir de vengeance et d'agresser l'individu A. Qu'est-ce qui empêchera l'individu C, par exemple, de satisfaire son désir de vengeance et d'agresser l'individu B? La loi. C'est la loi qui régule, c'est-à-dire qui impose des règles, à la société. Les êtres humains savent, grâce à leur histoire, qu'ils ne peuvent pas faire entièrement confiance à un autre humain, un seul, pour définir et faire respecter les règles. Nous sommes tous des êtres humains. À ce titre, nous avons toutes et tous des opinions, des idées, des émotions, des actions, des réactions personnelles. Les êtres humains ont donc inventé des éléments non humains, comme la loi, pour pouvoir vivre ensemble au sein d'une société. Évidemment, il existe plusieurs modèles de société. La France, par exemple, est une république laïque. L'Argentine est une république catholique. La Somalie est une république islamique. Le Cambodge est une monarchie constitutionnelle bouddhique. Qu'est-ce qu'une république laïque C'est un modèle de société dans laquelle la loi est souveraine, et séparé de tout principe religieux, quelle que soit la religion. Entrons un peu dans le détail pour mieux comprendre le fonctionnement du système légal de notre pays. Attention, concentrez-vous bien, celui-ci est très complexe. En France, nous avons plusieurs recueils de lois, c'est-à-dire des regroupements, parfois édités sous forme de livres. Pour mieux s'y retrouver, ces recueils sont hiérarchisés, c'est-à-dire classés selon leur degré de priorité les uns par rapport aux autres. Le texte numéro un en France est la Constitution française du 4 octobre 1958. Voici les extraits qui nous intéressent pour notre exemple. Préambule le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis dans la déclaration de 1789. La France respecte donc la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Mais les temps ont changé, et les textes de loi changent aussi, nous allons voir pourquoi. Les articles suivants sont issus de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Voici ce qu'ils disent. Article 18. Toute personne a droit à la liberté de penser, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, en temps public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Article 19. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. On pourrait donc se dire en lisant les articles 18 et 19 que n'importe quel croyant peut diffuser sa religion n'importe où et de n'importe quelle façon en France aujourd'hui. C'est d'ailleurs un argument très souvent utilisé par les personnes qui rejettent la laïcité. Si le texte fondateur de notre démocratie le dit, alors j'ai le droit d'exprimer ma religion comme je l'entends. C'est faux. D'une part, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen a été élaboré dans l'urgence d'une révolution civile, le texte est trop peu précis pour prévoir tous les cas de figure que doit anticiper une loi, d'autre part, l'époque n'est pas la même qu'aujourd'hui. Retournons donc à notre Constitution qui apporte des précisions capitales à propos de nos droits et de nos devoirs dans la France d'aujourd'hui. La Constitution assure donc notre liberté d'expression. Cependant, elle indique. Article 88.1. La République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité de l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne tel qu'il résulte du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007. Vous ne voyez pas le rapport? C'est normal. Les textes de loi sont compliqués à force de vouloir être précis. Dans cet article, la Constitution annonce que la France, depuis qu'elle est membre de l'Union européenne, a signé d'autres textes qu'elle reconnaît comme faisant partie de son système légal. Jetons donc un coup d'œil à l'un d'entre eux, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen et des libertés fondamentales. Notons au passage qu'encore une fois, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 a été reprise et modifiée pour s'adapter à l'évolution historique. Ici, la création de l'Union européenne. Article 10, paragraphe 2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. Hmm, intéressant. C'est la première fois qu'un texte international précise les limites de la liberté d'expression. Jouir d'une liberté pour une citoyenne ou un citoyen, cela implique des devoirs. En résumé, si l'on veut être libre de s'exprimer, il faut veiller à le faire en accord avec le reste des lois. Retournons encore une fois à notre Constitution. Article premier. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. L'article premier souligne ainsi que la France est un État laïque. On entend beaucoup de choses sur la laïcité, mais souvent elles sont fausses. Heureusement, il existe une loi qui lui est consacrée. C'est la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Voici l'article premier. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci après dans l'intérêt de l'ordre public. Il est important de retenir qu'une fois de plus, une liberté, celle de toutes et tous à avoir des convictions religieuses, s'accompagne toujours de restrictions, c'est-à-dire de limites. Article 25 les réunions pour la célébration d'un culte tenu dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mise à sa disposition sont publiques. Elles restent placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public. Depuis 1905, donc, l'État ne finance plus directement aucune religion, même s'il peut lui prêter des locaux comme à n'importe quelle association. Cet article précise, vous l'aurez deviné, une nouvelle limite. Les croyants peuvent se réunir si et seulement si ces réunions ne perturbent pas l'ordre public. Article 31. Sont punis ceux qui, soit par voie de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage à sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte. Nous l'avons déjà remarqué, le style des textes de loi est parfois obscur. Cet article souligne qu'une personne qui utilise sa religion pour nuire à une autre personne de quelque manière que ce soit sera punie en fonction du code pénal en vigueur en France. Dans une république laïque, telle que la république française, nous ne sommes pas libres de dire ce que nous voulons, mais libres de dire ce que nous voulons dans le respect de toutes les autres lois. Définissons à présent rapidement une république ou une monarchie constitutionnelle religieuse. C'est un modèle de société dans laquelle la loi s'inspire, partiellement ou intégralement, des principes religieux de telle ou telle religion. Dans ces pays, la religion d'État peut être imposée et les autres interdites, ou simplement privilégiée financièrement, moralement, politiquement, etc. Retournons à notre conflit. Comment peut-on le régler Soit les individus A, B, C et D vivent dans une société laïque et ils acceptent la libre expression de toutes et tous dans les limites du pays dans lequel ils vivent, comme nous l'avons vu pour la France. Soit les individus choisissent de vivre dans la société qui correspond à leurs convictions religieuses. L'individu A peut par exemple choisir la France, l'individu B l'Argentine, l'individu C la Somalie et l'individu D le Cambodge. La violence n'est jamais une solution. Le dialogue, les choix personnels et la liberté garantissent pour chaque individu sur Terre la possibilité de vivre dans l'indépendance et la paix. Pour terminer il est vital de ne pas oublier l'histoire de la société dans laquelle nous avons choisi de vivre. celle de la France a été lourdement marquée par les conflits religieux, notamment entre les protestants et les catholiques deux branches ennemies de la religion chrétienne surtout et approximativement entre le 16e et le xviiie siècle. Au xviiie siècle des femmes et des hommes veulent en finir avec l'obscurantisme religieux c'est-à-dire la volonté de certains fanatiques d'imposer par la force l'idéologie inspirée de leur religion. Ces hommes et ces femmes, ce sont des philosophes des Lumières, et la République française dans laquelle nous vivons en est l'héritage le plus précieux. L'un de ces philosophes, Voltaire, s'est impliqué dans la lutte contre l'obscurantisme religieux. Il a écrit le Traité sur la tolérance en 1763, qui comporte paradoxalement une prière à Dieu, que voici. Ce n'est donc plus aux hommes que je m'adresse, c'est à toi, Dieu de tous les êtres, de tous les mondes et de tous les temps. S'il est permis à de faibles créatures perdues dans l'immensité et imperceptibles au reste de l'univers d'oser te demander quelque chose, à toi qui as tout donné, à toi dont les décrets sont immuables comme éternels, Daigne regarder en pitié les erreurs attachées à notre nature. Que ces erreurs ne fassent point nos calamités. Tu ne nous as point donné un cœur pour nous haïr et des mains pour nous égorger. Fais que nous nous aidions mutuellement à supporter le fardeau d'une vie pénible et passagère. Que les petites différences entre les vêtements qui couvrent nos débiles corps, entre tous nos langages insuffisants, entre tous nos usages ridicules, entre toutes nos lois imparfaites, entre toutes nos opinions insensées, entre toutes nos conditions si disproportionnées à nos yeux et si égales devant toi, que toutes ces petites nuances qui distinguent les atomes appelés hommes ne soient pas des signaux de haine et de persécution. Que ceux qui allument des cierges en plein midi pour te célébrer supportent ceux qui se contentent de la lumière de ton soleil. Que ceux qui couvrent leur robe d'une toile blanche pour dire qu'il faut aimer ne détestent pas ceux qui disent la même chose sous un manteau de laine noire. Qu'il soit égal de t'adorer dans un jargon formé d'une ancienne langue ou dans un jargon plus nouveau. Que ceux dont l'habit est teint en rouge ou en violet, qui dominent sur une petite parcelle d'un petit tas de la boue de ce monde et qui possèdent quelques fragments arrondis d'un certain métal, jouissent sans orgueil de ce qu'ils appellent grandeur et richesse, et que les autres les voient sans envie. Car tu sais qu'il n'y a dans ces vanités ni de quoi envier, ni de quoi s'enorgueillir. Puissent tous les hommes se souvenir qu'ils sont frères, qu'ils aient en horreur la tyrannie exercée sur les âmes, comme ils ont en exécration le brigandage qui ravit par la force le fruit du travail et de l'industrie paisible. Si les fléaux de la guerre sont inévitables, ne nous haïssons pas les uns les autres dans le sein de la paix, et employons l'instant de notre existence à bénir également en mille langages divers, depuis Siam jusqu'à la Californie, ta bonté qui nous a donné cet instant. Je vous laisse réfléchir à ce texte sublime et qui résonne cruellement dans notre actualité. Nous en discuterons à la rentrée. Prenez soin de vous et de votre liberté en ces temps difficiles.